Bonjour amis bassistes débutants et bienvenue. Alors aujourd'hui c'est une vidéo spéciale puisque je ne joue pas sur un cover. Je joue en basse batterie avec Raphaël. Donc c'est un morceau de Muse. La structure du morceau n'a pas été respectée. Ce qu'on a fait c'est qu'on a repris les différentes parties, couplets, refrains, ponts, et on les a assemblés, on va dire, à notre sauce. Mais par contre, vous avez toutes les parties qui composent le morceau, et quand on va faire le décryptage tout à l'heure, il vous suffira entre guillemets de récupérer chacune des parties et de les remettre comme elles sont dans le morceau si vous voulez le faire. Ou sinon, je vais de toute façon proposer, je vous mettrai ça dans la description, la ligne de batterie de Raphaël, vous pourrez la récupérer et essayer de jouer dessus comme moi je le fais quand on a joué ensemble. Alors, dans cette vidéo, ce qu'il y avait de particulier avant de commencer le décryptage, il faut que je vous explique, c'est que Raphaël n'a pas l'habitude de jouer au clic. En fait, comme j'ai voulu faire une vidéo avec la partition qui défile, donc il faut savoir que le morceau original est à 120 BPM, on va avoir donc une partition qui défile à 120 BPM, et il faut donc que nous aussi on joue exactement à 120 BPM. Parce que si on ne joue pas à 120 BPM, ben, il va y avoir un décalage entre la partition qui défile et les notes que moi je joue à la basse. Donc du coup, il faut installer ce qu'on appelle un clic. En fait, c'est un rythme qui fait tic, 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 hein, d'accord, comme un métronome, qui joue sur les temps à 120 BPM. Et nous, on doit jouer sur ce clic. Et c'est là que c'est compliqué parce qu'on n'a pas l'habitude de ça. Comme on ne met pas de clic d'habitude, ben, Raphaël et moi, on joue, on se regarde, et puis on s'adapte l'un l'autre, c'est-à-dire qu'on s'écoute pour essayer de jouer le maximum en symbiose, et quand on joue comme ça, c'est bien mieux que ce qu'on a proposé dans le cover du début. Parce que là, le problème, c'est qu'on était obligé d'écouter le clic. Et donc, ça nous a enlevé cette partie où on est vraiment ensemble. Parce que là, on devait jouer sur le clic, et parfois le clic, ben, dans la batterie, on l'entendait plus vraiment, et on a eu des petits moments de flottement. Alors c'est pas très grave, hein. Moi j'ai quand même laissé comme ça parce que j'ai trouvé ça déjà très sympa de proposer ça. Mais il faut juste comprendre que voilà aussi les difficultés qu'on peut avoir. Il faut savoir que dans les concerts professionnels, souvent ben, les gens ils ont aussi des oreillettes parce qu'ils peuvent avoir des clics, il y a des batteurs qui jouent au clic, pour jouer vraiment droit. C'est très difficile effectivement à la batterie de jouer droit tout le long du morceau. C'est quelque chose qui n'est pas donné à tout le monde. Et souvent d'ailleurs, et c'est le cas de Raphaël, quand il rentre à certains endroits où il commence à s'emballer à jouer, et ben là, il a tendance à accélérer. C'est-à-dire qu'on commence à 120 et puis on finit à 125, 130. Donc du coup, on n'est plus tout à fait dans la même vitesse entre le début et à la fin. Alors ça s'entend pas forcément quand on l'écoute, hein, même on ne nous a jamais spécialement fait la remarque, mais dès qu'on met le clic, alors là pour le coup on s'en rend vraiment compte, on se dit ah putain on est tout le temps décalé, et donc on a dû répéter plusieurs fois à jouer comme ça avec le clic, on a dû le faire plusieurs fois avant de choper la vidéo qui allait à peu près. D'accord? Alors c'était pas parfait, mais je parle surtout au niveau du calage, hein. Mais bon voilà. Je pense que c'était assez correct, et puis surtout jouer avec quelqu'un avec un gamin de 10 ans comme ça qui commence à envoyer, franchement, c'est super sympa. Ok? Alors, je vous proposerai la ligne de batterie de Raphaël, je vous mettrai en description où elle se trouve, comme ça vous pourrez la télécharger si vous avez envie de suivre la même structure, de façon ben, justement à vous amuser vous aussi en jouant directement avec une batterie. Ça vous changera un petit peu des métronomes ou des lignes de batterie qui sont très droites. Ok? Alors maintenant, on va en venir au décryptage de la ligne. Alors, on va voir les différentes parties. On va commencer par la première partie qui est celle-ci. Ok? Donc ça, c'est la première partie. On va dire c'est pratiquement le thème principal et c'est ce qu'on entend dès le début du morceau. Alors c'est une basse très très synthétique, hein. Il y a des grosses pédales d'effet et du coup on a même du mal à reconnaître vraiment une basse, hein, mais c'est vraiment une basse très synthétique. Concernant les pédales, j'ai quand même un petit mot à vous dire là-dessus. Alors toutes les pédales d'effet, pour moi ça doit s'utiliser le plus tard possible.
Ça veut dire que, parce qu'en fait, les pédales d'effet cachent beaucoup les défauts, les bruits parasites. Et du coup, vous allez perdre en précision si vous jouez trop tôt avec. Donc, vaut mieux jouer en année, hein, le plus tard possible, et jouer même sans compresseur, mettre directement la basse dans l'ampli et jouer. Comme ça, au moins, vous allez vraiment apprendre à jouer en étouffant, en entendant les bruits parasites, et vous allez avoir un jeu vraiment propre pour la suite. Ok? Alors, donc, comment on joue cette ligne? Alors, on commence avec ces deux notes-là où il y a des allers-retours. D'ailleurs, sur cette première partie, il y a des allers-retours entre différentes notes. Donc là, c'est entre le La et le Do. Donc le La, cinquième case, première corde. Le Do, troisième case, deuxième corde. Ça fait. D'accord? Une fois La, Do, La, La, Do. Ensuite, on va passer du La quand on revient ici et on va aller chercher ici le Si. D'accord? Ça fait. Et on fait un aller-retour encore entre le La et le Si. Donc le Si qui est à la sixième, septième, pardon, septième frette. D'accord? Ça fait. Alors vous remarquez une chose, c'est que ici moi je fais un saut de petit doigt à petit doigt, d'accord? Vous pouvez très bien, si vous voulez jouer avec des écartements plus grands des doigts, si vous y arrivez, faire. D'accord? Comme ça vous gagnez, ici sur ce saut, vous gagnez en fluidité. Il y a une autre façon de prendre la ligne de basse. Comme on joue ici du La au Do, on a un Do qui est aussi ici et c'est le même Do, d'accord? Donc vous pourriez faire. D'accord, vous pourriez partir avec celui-là. Alors moi, je suis parti sur ce Do-là, parce qu'au niveau de la sonorité, je trouve que comme il est un peu plus... il est moins épais que celui-là, alors que c'est la même hauteur de note, je trouve qu'au niveau de la sonorité, je préfère celui-là, qui paraît plus aigu. Il n'est pas plus aigu, c'est juste qu'il est moins touffu. Mais vous pouvez aussi prendre celui-là de toute façon. Ok? Donc une fois que vous avez fait... Vous faites ce jeu d'aller-retour entre le La et le Do. Vous allez chercher ici le Ré. Ensuite, la note à côté, le Ré dièse. Et le Mi à vide. Ça fait. Ok? Alors, le petit secret ici, c'est au moment où on va faire le Mi, on relève le doigt du Ré dièse, donc qui sera le majeur, de façon à étouffer la note. Et comme en plus il est au contact avec les deux autres cordes qui sont en dessous, vous allez étouffer les trois cordes qui sont en dessous. Ça fait. Ok? Je ne sais pas si vous voyez le majeur qui se soulève. D'accord? Mais qui reste au contact. Donc je reprends tout, ça fait. Alors ça, c'est un Mi. La corde à vide, c'est un Mi. Et la corde, ici, la note que je joue, c'est aussi un Mi, plus aigu, c'est son octave en fait. Donc il y a un jeu entre ces deux Mi, le Mi normal, j'allais dire, et le Mi à l'octave aiguë. Donc ça fait. Donc la cadence, c'est. D'accord? Donc si on rejoue tout ce début de ligne, ça fait. Après, vous faites un Mi à vide et vous allez chercher le Fa. Et donc ça fait. Donc quand vous arrivez sur le Fa, vous jouez deux fois le Fa et vous jouez la quinte du Fa, qui est le Do. Donc on revient sur le Do. Ensuite, on va chercher le Sol. On va donc troisième case. On va aussi chercher la quinte. Donc la quinte, ça va être pour le coup le Ré. Et on va revenir en position avec le La. D'accord? Ça fait. Je refais. Mi à vide. Deux fois le Fa. On revient sur le Fa. Donc on fait Do, Fa.
Ensuite, on va chercher le sol, puis le ré. D'accord, ça fait mi à vide. D'accord. Ensuite, on revient sur le sol, puis on repart du la et la ligne est bouclée. Alors, regardez encore une fois, je vais vous le jouer plusieurs fois sur Drumbeat, mais regardez la vidéo, c'est pas évident à expliquer parce qu'il y a quand même pas mal de notes qui se suivent. Et comme vous n'êtes pas en face de moi pour le faire, ben, je peux pas faire un suivi vraiment trop lent. Donc, je vais vous lancer Drumbeat à 80 et ça va donner ça. Ok, voilà pour cette première partie qui est une des plus complexes parmi toutes. Après, ça va se simplifier. Il y aura une dernière partie aussi où ça tricote un petit peu, mais ça va aller. Alors, j'ai simplifié un petit peu la ligne de basse à tous les niveaux, de façon à ce que ça soit assez accessible aux débutants. Si vous arrivez à suivre les notes et à pas faire trop de bruit parasite, ça va l'être. Ok. Alors, ensuite, il y a une autre partie qui est celle-ci. Ok, alors, comment elle se joue? En fait, on joue 8 fois le Fa. Donc le Fa qui est la 8e case sur la 2e corde. Ensuite, on va 2 cases plus loin, on joue 8 fois aussi. Puis 8 fois 2 cases plus loin, donc c'est facile à se rappeler, hein, d'accord? Fa, Sol et La, d'accord? 8 fois, 8 fois, 8 fois. Et on revient sur le sol, d'accord, pour la première partie. Donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok, et pour la deuxième partie de cette ligne, on rejoue les trois mêmes notes, sauf qu'au lieu de revenir ici, sur le sol, on va aller juste en dessous sur le do, d'accord, ça va faire... La. Ok, alors le Do, en fait, on va le jouer 7 fois, on va pas le jouer 8 fois. En fait, la septième note du Do, on va la faire glisser, ça sera le 8 en gros, d'accord, le temps du glisser, il y aura le 8 dedans, et on va revenir après sur une autre partie, d'accord. Donc ça va faire ça, si je lance sur Drumbeat. Ensuite, il y a une autre partie qui se joue au niveau du Fa, qui est un petit peu comme ce qu'on a vu ici dans les notes plus aiguës du manche, mais dans les graves. Et on va jouer deux fois la même chose, c'est-à-dire on va jouer ici le Fa, le Sol, troisième case, le cinquième case, le La, et ici la troisième case de la deuxième corde, le Do. Et on va jouer 8 fois chacune de ces notes-là, d'accord? Et on va jouer le tout deux fois, ça veut dire... Thank you.
Ok? Voilà, alors déjà on est allé assez loin. Maintenant, il va rester deux parties et on aura toute la ligne de base. Donc ça fait à peu près ça fait cinq parties à peu près différentes, dont les deux dernières sont assez faciles, hein, vous allez les retenir facilement. Et puis c'est un jeu de croche, ça. Ta 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 ta, d'accord? C'est-à-dire sur le temps et sur le et du temps. Alors, une fois qu'on a joué les dernières 8 fois ici, on va faire. Ok, donc ça fait. Voilà, et on fait tourner cette ligne là où il y a un silence au milieu. Donc je vais vous expliquer ça. Donc on part sur le Fa. C'est un petit peu comme la fin de la toute première ligne. On retrouve un petit peu les mêmes choses. Donc on part sur le Fa, on joue deux fois. On revient sur le Fa après avoir joué le Do, ça fait. Ok ? C'est la même cadence sur ces deux notes. À la fois sur le Fa et sur le Sol, on a la cadence qui fait. Pam 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 pam. Pam 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 pam. Ok ? Ok ? Et on termine par. On repart sur le La et on joue deux fois le Do. Ça fait. Silence. Et ensuite, on joue ces deux notes-là. Le Si et le La. D'accord ? Sur la même cadence que. Donc, le Si, 7e case, et le La, 5e case. Et ensuite, on fait avec le Mi, comme on avait vu au début, l'alternance entre le Mi grave et son octave qui est ici. Alors, il y a l'autre octave du Mi hein, qui est ici, mais en fait, cette note-là, qui s'utilise dans les pompes hein, notamment, mais ce Mi qui est là, on le retrouve aussi ici. C'est le même Mi, à la même hauteur, encore une fois, c'est toujours les mêmes choses, sauf qu'il a une épaisseur, en fait. Il est plus épais sur les cordes plus grosses, en fait. Mais c'est la même hauteur sur une partition, ça sera exactement au même endroit, ce Mi-là, d'accord? Donc, ça fait... Et ça fait. Alors là, j'appuie hein, sur le Mi. Avec mon majeur, pour le coup. Et après, on revient. Ok. Alors, je vais mettre ça sur drum beat. Et je vais vous faire le même enchaînement avec une tourne précédente. Ça fait. Ok, vous avez vu la tourne, pareil, vous remettez en arrière et vous pouvez suivre les notes. Après, vous les avez bien évidemment dans le cover qu'on a fait tout au début. Une fois qu'on a fait le tour ici, on reprend la deuxième partie et la troisième partie qu'on a vu tout à l'heure, c'est-à-dire... Et ici, on reprend. D'accord, je vous ai fait l'enchaînement. Donc pour le coup, on a tout et il reste une toute dernière partie qui va faire comme ça. Ok, alors, c'est plus simple qu'il n'y paraît.
Alors, ce qui est bien sur ce morceau, c'est que toutes les notes se jouent sur le temps ou sur le et du temps. Il n'y a pas de gros pièges autrement. En tout cas, nous, c'est comme ça qu'on l'a joué. Du coup, comme c'est assez calé, c'est quand même plus facile que des morceaux où il y a du groove, où il y a des notes un peu au fond du temps, comme on a déjà vu, ça veut dire sur les doubles croches, par exemple, où c'est plus compliqué. Là, on est sur le temps ou sur le et du temps. Ce qui facilite quand même le morceau. C'est vrai que quand on le voit jouer au début, ça a l'air compliqué, il y en a partout. Mais je pense, comme d'habitude, après, quand je décrypte la ligne, on se rend compte que finalement, on peut s'en sortir. Parce que, bon, ben voilà, avec un petit peu de travail, en mettant les drum beats, etc., on arrive quand même à poser le truc parce qu'on a toujours, comme on est sur le temps ou le contretemps, on a toujours un point d'accroche qui nous garde en vie, en fait. Ok, alors la dernière partie, elle fait comme ça. On commence par la corde à vide, la troisième corde, d'accord? Donc vous voyez mon pouce là, il s'est mis sur la corde de mi pour bien étouffer les bruits. Et je vais faire. Donc première corde à vide, deux fois. Ensuite, deux fois ici sur le mi. Ensuite, la note à côté, vous voyez le doigté, index majeur. La note à côté qui est le fa, ça fait. Corde à vide, donc le sol, et le la ici pour la dernière corde. Vous avez vu, pareil, mon pouce est descendu. Regardez mon pouce, ça fait. Voilà, toujours ce travail pour étouffer les cordes et qu'il y ait le moins de bruit parasite. Donc descendre le pouce sur les bonnes cordes. Donc je vous redonne les notes. Corde à vide, ré. Ensuite, mi, deux fois, fa, deux fois, sol, la corde à vide, deux fois, le la ici, la deuxième case, deux fois. Ensuite, on va chercher la corde à vide qui est ici, qui est le la, le si et le do. Donc, je vous le fais doucement, ça fait. Fait. Ok, je vous le refais tourner maintenant sur drum beat. Voilà, une fois que vous avez fait ça, hein, c'est deux fois chaque note à chaque fois, et en plus on est sur le temps et les huées du temps. Une fois que vous avez retenu les positions, vous allez voir, ça va rouler tout seul. Une fois qu'on a terminé la tourne, donc la tourne se termine sur le do, hein, donc. Ça, c'est la dernière note de la tourne du do, et après on repart sur la corde à vide pour refaire une tourne. Donc on en fait quatre comme ça, si je ne me trompe pas. Donc quand vous avez fait cette dernière note, on arrive sur le final, en tout cas le nôtre, c'est-à-dire qu'on va jouer le mi grave et son octave comme on a déjà fait quatre fois, ça va faire. Ok? Et on va terminer par un glissé du la comme ça. Ok? Ça fait. Voilà. Et là, vous voyez ma main, je bloque le son, pardon, en mettant ma main bien plate et en collant toutes les cordes. Comme ça, le son s'arrête direct derrière. D'accord? Ok? Ben voilà les amis, je pense que là, vous avez pas mal de travail. Franchement, c'est un travail technique intéressant pour les débutants, cette ligne. Vous n'êtes pas obligé de la faire à la vitesse si vous n'avez pas le niveau, hein. Vous commencez doucement et une fois que vous arrivez à la faire tourner assez proprement, vous montez de 5 BPM en 5 BPM jusqu'à arriver, si vous le pouvez, à la vitesse originale. Ok? Je trouve que c'est un travail intéressant parce que toutes ces doubles croches qui sont faciles à retenir ici, ça va vous faire je pense, un bon travail aussi de mémorisation pour repartir, etc. Un travail d'écoute que vous devez faire sur la cover du début pour savoir où on se trouve.
Ou alors vous replacez le tout sur le morceau original. La seule différence qu'il y aura au niveau de la structure, là, enfin pas de la structure, mais des tournes que j'ai proposées, c'est la fin qui n'est pas tout à fait pareille, la toute fin, mais c'est pas bien grave. Donc là, je ne vais pas faire la vraie toute fin, ça sert à rien, je préfère rester m'arrêter là pour la vidéo. Mais ça peut aussi vous faire un travail justement de bien écouter le morceau. Et vous allez voir, vous allez dire, ah ouais, ça je sais où il est, etc. Et vous allez le replacer. C'est intéressant quand même que vous fassiez ce travail vous-même. Parce que si je vous mâche tout, c'est un petit peu dommage. Votre travail aussi à vous, c'est justement de vous casser un peu la tête en fait. D'essayer d'écouter le morceau, d'essayer de faire comment dire, de voir ce que j'ai fait, la tourne, où est-ce que vous pouvez la poser sur le morceau. Et ensuite, si vous avez un logiciel qui vous permet justement de mettre juste une partie du morceau, petit à petit, vous allez l'allonger. En notant la structure, vous pouvez très bien prendre un papier et noter la structure. Par exemple, si on appelle ça, voilà cette partie en premier que j'ai montré tout à l'heure, si on l'appelle A, d'accord, si c'est la partie A, et bien dans le morceau, vous regardez combien de fois cette partie A est répétée. Et vous pouvez, si elle est répétée 6 fois, vous mettez A fois 6, d'accord. Comme ça, vous notez cette structure, vous la mémorisez. Et ensuite, vous essayez de la jouer, bien évidemment, sans tablature ni partition, parce que ça, c'est un travail de mémorisation, ça va vous faire un travail d'écoute. Et tout ce travail, c'est hyper important pour nous bassistes. D'accord ? Si vous pouvez éviter le maximum de papier et arriver à jouer sans rien regarder, juste avec votre concentration et, et avec votre ressenti, vous allez gagner un gap énorme. Ok ? Ben les amis, je vous laisse là, je vous souhaite un joyeux Noël parce que je pense que ça sera une de mes dernières vidéos de cover de l'année et je ferai une petite vidéo bilan là bientôt de tout ce que j'ai fait là sur cette année et ce que je ferai ou je sais pas encore trop mais ce que je ferai en 2021. Bon les amis, je vous souhaite un bon Noël, j'espère que vous avez un peu de ma chance, moi j'ai la chance d'avoir une famille, je suis bien entouré. Je joue de la musique, j'essaye de vous donner aussi un petit peu de bonheur en faisant de la musique. Ça va faire bientôt un an que je fais ça, donc j'espère que voilà, c'est quelque chose qui vous apporte dans votre vie de tous les jours. En tout cas, moi, la musique, je ne peux pas m'en passer, ça m'apporte énormément. Vous voyez, il y a mon petit qui joue, franchement, c'est super cool. Ma femme, je l'ai mise un petit peu à la basse dans les dernières vidéos. Bon, vous avez vu ça, elle continue à jouer, d'ailleurs, on vous montrera ça. Et puis, je vous ferai une petite vidéo bilan là bientôt, dans les jours qui viennent, pour savoir ce que j'ai fait là toute cette année, comment je l'ai fait et comment la chaîne va évoluer pour l'année 2020. Bonne fête les amis, à bientôt, bye.